entre Belledonne, Chartreux et Vercors, vous écoutez Radio BCV. Je représente la liste de gauche qui s'appelle l'Alternative, qui est une liste de rassemblement d'une dizaine de partis politiques de gauche différents, dont les socialistes, les radicaux de gauche, Cap Écologie et bien d'autres. Et en fait, ma liste défend une vision assez simple de ce à quoi doit ressembler notre région. Notre région, c'est une région riche, heureusement, qui doit faire profiter à tous ses habitants de ses potentiels, de ses opportunités. Et donc, moi, je veux qu'on crée de l'activité économique ici, je veux qu'on crée de l'emploi, je veux soutenir tous les gens qui cherchent un emploi pour qu'ils parviennent à le trouver. Je vais très très loin sur ce sujet puisque je propose que la région se porte garante de l'accès au premier emploi pour tous les jeunes de 18 à 30 ans qui n'arrivent pas à le trouver par eux-mêmes, ce qui est quand même susceptible de changer fondamentalement la vie de beaucoup de gens. Je veux aussi que la région revienne pour protéger les individus dans leurs besoins les plus fondamentaux. Accéder à un logement, la région construira des logements. Accéder à la santé, la région recrutera, salariera des soignants, des médecins, des infirmiers, des spécialistes dans des zones où malheureusement il n'y en a plus. Et garantira à chaque habitant de cette région qu'il soit à 15 minutes au plus d'un soignant. Accéder aussi à la formation professionnelle, puisque c'est ce qui permet de se qualifier pour exercer des emplois. Donc nous allons créer beaucoup plus de formations professionnelles que ce qui a été fait ces dernières années, 500 000 en tout, soit multiplié par 5. Et puis, je veux une région aussi qui sache investir dans l'avenir. Et investir dans l'avenir, ça veut dire investir dans l'éducation, construire de nouveaux lycées, rénover les existants, offrir à chaque lycéen un ordinateur pour qu'il puisse étudier dans de bonnes conditions. Ça veut dire aussi investir dans tout ce qui est la transition écologique pour que notre territoire soit agréable à vivre, soutenable et que, quand on voit les effets du changement climatique sur, par exemple, la neige en montagne ou sur l'agriculture, la sécheresse, on ait des réponses à chaque fois adaptées pour accompagner les acteurs, que ce soit de la montagne, de l'agriculture ou tout simplement les habitants qui souffrent de la pollution, par des filières d'activité mieux pensées. Donc en fait, préparer l'avenir, c'est vraiment se dire dans quelle région veut-on que nos enfants grandissent. Et sur tous les sujets, la région peut apporter des réponses. Elle ne le fait pas pour le moment, c'est ce que je souhaite faire. Oui, alors la jeunesse. Vous savez, la jeunesse, en fait, c'est une des compétences clés de la région, parce que la région est en charge, je le disais, des lycées, donc c'est quand même un âge charnière de la jeunesse. Dans les lycées, elle peut les accompagner d'abord par des équipements qui soient agréables à vivre, donc des nouveaux lycées, des lycées rénovés, des ordinateurs pour les élèves, pour qu'ils puissent travailler depuis chez eux, mais aussi une orientation mieux pensée, un accompagnement à la réussite scolaire, un accompagnement sur Parcoursup, parce que c'est devenu tellement compliqué de remplir ces dossiers sur Parcoursup, un accompagnement quand ces lycéens devenus bacheliers vont à l'université, qu'ils ont besoin d'un logement étudiant. Donc ça, c'est la région qui peut en construire, qui peut leur offrir des tarifs sur les transports qui soient très, très, très bas pour leur permettre de voyager facilement. Par exemple, on a une mesure qui est le 1 euro par billet de TER le week-end. Ça veut dire que tous les week-ends, les jeunes qui sont étudiants, apprentis, qui cherchent à rentrer chez eux ou qui cherchent tout simplement à voyager dans la région pourront prendre le TER pour 1 euro et aller jusqu'à l'autre bout de la région. C'est quand même assez extraordinaire. De la même façon que dans les cantines des lycées, on a une mesure qui s'appelle 1 euro le repas pour les familles modestes, parce qu'il ne faut pas que ça coûte trop cher de pouvoir tout simplement s'alimenter. Après,
ce qui concerne très directement les jeunes, c'est aussi la question, je le disais, de l'emploi. Donc notre réforme principale, ce sera celle qu'on appelle la caution premier emploi, qui va permettre à tout jeune de 18 à 30 ans qui cherche son premier emploi et qui n'arrive pas à le trouver par lui-même, bah, que la région le lui trouve, lui garantisse qu'il le trouvera, qu'il le signera. La région sera là pour le former à exercer cet emploi si besoin, pour prendre en charge son logement ou son transport si l'emploi se trouve très loin de chez lui, pour prendre en charge même la période d'essai si l'entreprise hésite à l'embaucher. Voilà, donc c'est quelque chose de complètement inédit. Et puis enfin, la nouveauté qu'on introduit pour les jeunes, c'est pour ceux d'entre eux qui sont vraiment en grande difficulté financière d'insertion, un revenu de solidarité jeunesse. Vous savez qu'on en a beaucoup parlé dans le débat public, le gouvernement a refusé d'étendre le RSA aux moins de 25 ans. Eh bien nous allons expérimenter ce revenu de solidarité jeunesse pour ceux qui ne sont aidés absolument par personne et qui sont dans la difficulté financière. Voilà, et puis enfin je terminerai, comme ça ce sera complet, par ce qui concerne cette fois-ci l'accès au sport, à la culture, à la vie associative. Dans notre programme, par exemple, il y a le fait que pour tous les jeunes de moins de 30 ans, on va assez loin hein, quand on est jeune, mais de moins de 30 ans, nous baisserons le prix des licences sportives de moins de 50%. Donc ça, c'est quand même vraiment un effort considérable fait pour pousser à la pratique du sport. Nous allons soutenir beaucoup plus que nous le faisons par le passé les structures culturelles, les festivals, les cinémas, le spectacle vivant, les concerts, pour faire en sorte, en fait, nous allons doubler leur budget pour faire en sorte notamment qu'ils puissent offrir des billets beaucoup moins chers aux plus jeunes. Donc ça aussi, c'est une démocratisation de la culture. Et puis enfin, dans la vie associative, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés dans des associations ou qui en tout cas en bénéficient. Eh bien, nous multiplions par 10 le budget des associations, qui va passer de 15 millions à 150 millions d'euros par an, parce que nous voulons vraiment donner un coup de pouce énorme à ces associations qui rendent des services précieux, justement pour aider les jeunes, soit dans leur scolarité, soit à accéder à la culture, au sport, à voyager, à... Voilà, ou tout simplement à développer chez eux l'esprit d'engagement dont on a besoin dans notre pays.